Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, c'est le harcèlement scolaire. En France, plus de 700 000 jeunes sont victimes d'harcèlement scolaire, un chiffre malheureusement en constante augmentation. Parmi ces jeunes, il y a Mathias Miranda, ancien youtubeur. Comment vous dire que les insultes, c'était son quotidien. Alors, afin de se protéger, il a décidé de tourner la page de ce personnage star des réseaux sociaux à un personnage totalement anonyme. Aujourd'hui, il sort un livre d'édition The Book Edition dans lequel il retrace ses agressions et également son parcours d'harceler. Ce témoignage est pour lui également une façon de sensibiliser, mais également d'alerter les parents et les enfants sur les dangers du net. Je vous propose de visionner son portrait dans ce reportage. Regardez. Son histoire commence ici, dans sa chambre. Mathias Miranda se lance sur YouTube à l'âge de 15 ans. Une chaîne qu'il alimente de vidéos dans lesquelles il raconte ses passions, son quotidien. Il entreprend un lien important avec ses abonnés qui se comptent par milliers, 16 000 au total. Un succès fulgurant pour ce jeune Rémangeois, mais c'était sans compter sur les injures et le harcèlement dont il va être victime. Il décide alors de tout arrêter et de basculer dans l'anonymat pour se protéger. Ça va beaucoup mieux depuis que je me suis éloigné des réseaux sociaux. Ça a été vraiment une libération quand j'ai supprimé ces réseaux. Aujourd'hui, Mathias a 18 ans. Il a grandi, mûri et appris beaucoup de sa première fois sur les réseaux sociaux. En septembre dernier, il entreprend des études à Verdun, mais le moral ne suit pas. Il juge bon alors de mettre fin à son parcours scolaire qui est pour lui la meilleure des solutions. C'est à ce moment-là qu'il prend l'initiative de faire parler sa plume pour raconter son expérience, une manière pour lui de témoigner. C'est une façon d'alerter les parents, d'alerter les enfants. Et peut-être que par ce témoignage, ça changera certaines choses, du moins pour ceux qui liront ce livre. Un livre autobiographique en auto-édition disponible depuis samedi. Heureux d'exister, c'est son histoire, son combat pour surmonter les obstacles. Une première partie de sa vie qui n'a pas tous les jours été si facile, mais qui aujourd'hui reprend du souffle. Une belle satisfaction pour le premier intéressé. De voir mon histoire gravée et en vente dans une maison de la presse et dans d'autres librairies, ça fait très plaisir. Un jeune homme qui vit au jour le jour et qui compte tout donner pour faire la promotion de son premier ouvrage. Il nous l'a même confié que l'écriture d'un second roman n'est pas écartée. Heureux d'exister de Mathias Miranda, c'est un livre à vous procurer de toute urgence, un témoignage fort, touchant, qui vous permet de prendre réellement conscience des dangers du net. Vous êtes victime ou témoin d'harcèlement scolaire, il faut agir, vous pouvez contacter le 3020. Il faut agir maintenant, demain, ça sera trop tard. Merci Valentin, le sujet effectivement n'est pas à prendre à la légère et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle en ce moment est tourné le court-métrage La Spirale Infernale. Il est réalisé par Maxime Silva à l'initiative du Conseil départemental junior de la Moselle. On va y retrouver Ticia qui incarne une star des réseaux, qui adore les mangas, qui va se retrouver harcelée en raison de sa tenue vestimentaire, de ses goûts. La situation va dégénérer et la conduire à trouver une solution pour éviter le pire. Écoutons-la au micro de Valentin. On est en 2020, il y a encore beaucoup de harcèlement, que ça soit scolaire, dans les lieux de travail, dans la rue ou même dans les clubs de sport. Les jeunes, ils se font harceler et souvent, ils n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur que ça s'aggrave, alors qu'il faut totalement faire le contraire, il faut qu'ils en parlent. Il faut alerter des dangers parce que le harcèlement, on sait tous que ça peut finir. Par exemple, on va aller tout de suite vers les choses graves, mais par exemple, souvent, il y a des suicides ou de la scarification. Et il faut vraiment éviter ça parce que c'est des vies qui partent comme ça alors que ça n'a pas lieu d'être. Et c'est aussi pour dire arrêtez d'embêter les gens, laissez-les tranquilles. Ticia qui participe donc au court-métrage La Spirale Infernale qui a été tourné du côté du château de Malbrouck et de la médiathèque de Rombas. Un court-métrage à découvrir à partir du mois de septembre dans le cadre d'un projet plus large autour du harcèlement.